Voilà, si vous ne m'avez pas vu aujourd'hui, franchement, je suis attristé. Je viens de perdre un ami, un frère, un confident, quelqu'un qui était presque tout pour moi quand j'étais dans l'État de New Jersey, dans la ville de Trenton. Et franchement, j'ai été choqué après ma première vidéo d'apprendre le décès de mon ami qui a piqué une crise ici aux États-Unis. Donc, franchement, ça m'a fait dégoûter beaucoup de choses. Quelqu'un de bien, et ceux de New Jersey, ils peuvent témoigner. Beaucoup de jeunes de Nicaragua sont venus et il a beaucoup fait pour la communauté guinéenne. Beaucoup. Et moi, tout ce qui est document administratif, tout, c'est lui. Je reste ici. Et quand je pars en Guinée, la personne à qui je peux prendre ma carte bancaire, donner, c'était la personne. Donc, pour vous dire combien de fois et il était mon confident, franchement, sa famille, c'est un frère, c'est un ami. Et je dirais, à part quelques personnes ici, c'est la famille à New Jersey où je pouvais me sentir à l'aise. Je rentre, je fais tout. Franchement, la mort de Sekou m'a complètement choqué aujourd'hui. Mais ce que Dieu décide, on n'y peut rien. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité les condoléances. Voilà. Bonsoir tout le monde, voilà. Et je vais répondre un peu, mon grand Oudi, parce que c'est l'affaire de la Guinée. Voilà, c'est l'affaire de la Guinée. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Attendez, je vais vous montrer le poste de Oudi. Voilà, merci à tout le monde. Mouna Fefe, Djidounia, c'est temporaire. Vous voyez, Bobby, c'est lui notre ami. Beaucoup le connaissent à Conakry. Les gens de Yimbaya, ils le connaissent. Il était dans le transit aussi, il envoyait des véhicules, tout ça là, en Guinée. Il faisait beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va passer à ça. Vous savez, j'avais mis le poste là aujourd'hui. J'ai dit Koro Oudi, premier, est devenu communicant du CNRD, que le courant est revenu. Sinon, il y avait le courant avant le 5 septembre. Bon. Voici le poste de Oudi Premier. Il dit ceci: J'apprécie tout ce qui va dans le sens du développement de mon pays. Je dis bien jamais, m'associer pour parler mal de mon pays. Prenez l'exemple sur les Ivoiriens qui sont tellement patriotes qu'ils te donnent envie de découvrir leur pays. Mon grand Oudi Premier, tu dis les Ivoiriens. Il y a eu troisième mandat. Il y a eu troisième mandat, grand Oudi. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui as pris l'exemple. Je t'ai toujours comparé à Mollard. Mais ce que Mollard ne fait pas là. Mollard, là, il a des relations. Mollard, c'était le bon petit de feu Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Mais ce que toi tu fais là, Mollard ne le fait pas en Côte d'Ivoire. Hein? Tu as parlé de Côte d'Ivoire. Il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire. Les forces spéciales. J'ai montré les forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Attendez, je vais d'abord montrer ça. On va continuer. Parce que, heureusement que lui-même, il nous a parlé de ça. On va lui montrer les éléments des forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Voilà. Écoutons. Ça, c'est les éléments de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les forces spéciales de la Côte d'Ivoire.
va avancer un peu. Ou du premier, tu as parlé l'exemple de la Côte d'Ivoire grand. En Côte d'Ivoire, il y a eu troisième mandat. Les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, là, eux, ils sont patriotes, ils n'ont pas fait coup d'État. Au président Ouattara, eux, ils n'ont pas fait de coup d'État. Parce qu'ils savent ce que le président Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. S'ils n'ont pas fait de coup d'État, ils savent de quoi le président Ouattara est capable. Toutes les grandes villes aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, des CHU, Oudi. Voilà, je continue avec ton écrit. Qu'aimons notre pays, sachant apprécier ce que nous avons chaque... Voilà, qu'est-ce que Mamadi a fait? On avait le courant avant le 5 septembre. C'est eux-mêmes qui ont dit devant le peuple de Guinée, c'était des dépenses inutiles. Ils ont fait partir le bateau. L'affaire de courant là, qu'est-ce qui a changé? C'est pas ce qui a créé tous les problèmes d'électricité à Conakry. Après le départ du bateau, Oudi, si on nous ramène le même bateau, ils ont changé quoi? Voilà, attends, Fatou est là. Aujourd'hui, ah Fatou, il faut t'abonner à la page, comme ça je pourrais te prendre. Fatou, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Ok. Fais-moi la demande, Fatou. Fatou, fais-moi la demande. Je ne pense pas si tu es abonné à la page parce que je n'arrive pas à te prendre. Il faut t'abonner ou je vais t'appeler. Tu me laisses t'appeler sur le téléphone. Voilà. Donc, Oudi Premier, qui parle l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a eu troisième mandat, mais les éléments de force spéciale de la Côte d'Ivoire n'ont pas fait de coup d'État. Parce que ce que M. Alassane Dramane Ouattara représente pour leur pays, un génie. Donc, ils ne vont jamais lui faire coup d'État. Oudi, vous dites que d'apprécier. On va apprécier quoi de Mamadi? On nous disait ici, Oudi, médias coupés, est-ce que Grand, tu as parlé? En Côte d'Ivoire, là, on ne coupe pas l'Internet. En Côte d'Ivoire, on ne coupe pas l'Internet. En Côte d'Ivoire, c'est les routes. Et tous les grands chantiers aujourd'hui en Guinée, c'est le président Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas apprécié ça? Les échangeurs, c'est le président Alpha Condé, Oudi. De quoi tu parles? Mamadi, à quel niveau, Oudi Premier, Grand? Il ne faut pas parler parce que si c'est bon pour vous, Grand, on a Luna. Il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de coup d'État. Si les Ivoiriens, même ceux qui n'aiment pas Ouattara, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, là, ils vont laisser, il est déjà vieux. Des bandits viennent renverser le président Alpha Condé, connant ce qui est bon. On va aimer le pays dans le mensonge, Oudi. Docteur Kassori, tous les grands projets du pays, Docteur Kassori, il est en prison. Fatou, ramène encore la demande. Hein. Ramène la demande, Fatou. Donc, ramène la demande, Fatou. Donc, ce que les autres n'ont pas fait là, tu ne peux pas comparer. Ok, Fatou, maintenant je peux prendre. Donc, les autres n'ont pas fait en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas comparer. Donc, Grand, arrête de comparer les choses. Non, c'est termine. C'est totalement opposé. On avait le courant avant le 5 septembre. Zéro Corée avait l'interconnexion, le courant. Donc, Oudi, tu n'as rien à dire de ce côté-là, Grand. Non. Si c'était ça, là, Mamadi, là, il n'allait pas faire le coup d'État. Si c'était pour apprécier, là, ce qu'on aime, là. Ah, hein. Troisième mandat dont vous parlez, là, est 10 000 fois mieux qu'un coup d'État. Où lui, il a pris les armes pour venir tuer des Guinéens. On ne sait même pas où se trouvent les corps. Grand Oudi, à la bête, tu sais, moi, j'ai un grand respect pour toi, je te l'ai dit. Et je vais toujours te respecter. Concernant le pays, on va débattre. Chacun va dire sa part. Ce que vous vous appelez soutien, là, appréciez. Depuis Mamadi est venu, le sac de riz, c'est combien, Grand Oudi? Le sac de riz, c'est combien? En 11 ans du président Alpha Condé, le sac de riz était vendu à 230 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 400 000, Oudi. La fonction publique, 19 200, 19
200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Les boursiers guinéens aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on apprécie, Oudi? L'œuvre du président Alpha Condé, le même bateau qui est là, là, c'est le même bateau qui était là. Le bateau coûtait 3 millions, 4 millions à la Guinée, au temps du président Alpha Condé. Le même bateau est aujourd'hui à plus de 7 millions, jusqu'à 8 millions. Et les factures de l'électricité, tu payes tes factures, j'espère. Oudi, j'espère que tu payes tes factures graves. Dis-nous tes factures avant le 5 septembre et tes factures d'électricité. Mamadi a changé quoi? Quand vous voulez qu'on apprécie. Nous, on apprécie ce que le Fama a fait aussi. Si c'est question d'aimer, on aime la Guinée, mais les bonnes personnes, pas des bandits qui prennent les armes. Voilà. Fatou, tu as quelque chose à ajouter? Mais bien sûr. Tout ça, moi, je vais dire aux gens, mangez votre argent. Quand le CNRD vous donne manger, c'est votre argent. Avant que Mamadi ne soit là, il n'avait pas quoi vous donner. Donc, quand il vous donne manger, mais arrêtez de faire la démagogie. Mamadi ne peut rien apporter aux Guinéens. En Côte d'Ivoire, on a vu 3e mandat. Et le pays, tout va bien là-bas. On va apprécier quoi? Qu'est-ce que Mamadi a fait? Tu sais, Damaro, moi, j'avais pris pause. Je suis revenue sur les réseaux. Mamadi, moi, je ne suis pas Damaro. Hein. Moi, il n'y a même pas de monétisation sur mes pages pour ne pas éviter certaines mots. Qui a monétisation partout? Moi, je n'ai pas de monétisation. Non, moi, parce que chez moi, je vais dire tout ce que je veux. Pour dire qu'il y a des mots là, quand tu dis on bloque là. Mamadi, Fatoumielo est revenu sur les réseaux. Tu nous avais donné jusqu'en décembre 2024. J'attends que toi, tu dis que tu vas te présenter. La Guinée là, c'est pour nous tous. On s'est tué parce que personne n'a peur de toi, surtout nous autres qui ne sommes pas en Guinée là. Mamadi, moi seul, je vais te souffrir. Wallahi billahi tallahi, je suis revenue sur toi. Mamadi, je t'ai en pause. J'étais là, je me concentrais un peu de ma petite famille et tout. Pause là, c'est fini. Je vais revenir sur toi. Je vais bloquer toute personne qui va m'appeler pour me dire Fatou, pardon. Il n'y a pas ça. Si tu vois parler à Fatou, c'est qu'ils ont mon numéro. D'abord, je change de numéro. À partir de demain, je vais aller changer. Damaro, quand je te donne mon numéro, à personne. Tu n'as même pas besoin de changer, Fatou. Hey, tu bloques, c'est fini. Non, tu moi, sais pas. Pas. Il peut non, si ça, tu as des comptes et autres, là, tu vas changer ton numéro tout de suite, là. Et c'est toi-même, tu vas regretter. Hey, il ne faut même pas changer ton numéro. Okay. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour dire, Fatou, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont dit que moi, je suis du CNRD. Je ne vais jamais être CNRD. Je n'ai jamais soutenir, je ne vais jamais soutenir Mamadi. Je ne suis pas CNRD, je ne serai jamais CNRD. Mamadi, tu es tout sauf un démagogue. Tu es sauf un manipulateur. Tu es tout sauf. C'est que tu es tout sauf un humain, je voulais dire. Tu es un démagogue. Tu es un criminel. On ne va plus se laisser faire. Tu as vu le poste du grand frère de Foniké, là où il a dit que. Si les autres, là, ils n'ont qu'à le dire, s'ils sont morts, au moins, ils vont faire les sacrifices et prier Dieu pour le repos de leur âme et tout. Voici le poste qui est là. Le doyen Mamadou Sylla dit, s'ils les ont tués, qu'ils nous disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de leur âme. Fatou, maintenant, moi, je ne crois à personne. Ce qui est clair, les Foniké sont dans les de Mamadi. Je t'ai dit, on m'a montré une vidéo où Foniké est couché. Mamadi. C'est pourquoi je ne crois même pas à mon gars. Mais c'est ça le problème. Comme c'est des petites personnes, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Malgré la pression aujourd'hui, le procureur est déjà sorti pour dire que le CNN n'a rien à voir. C'est pourquoi aujourd'hui, Fatou, ils sont bloqués. Et il y a des éléments des forces spéciales qui disent que Foniké est sur l'île là-bas, qui n'est pas mort. Que c'est eux qui font croire qu'ils veulent faire peur à tout le monde qu'ils sont morts. C'est eux qui savent. S'ils tuent les Foniké, et déjà la pression est sur eux, personne ne va aller enlever Foniké aujourd'hui. Qui est contre Foniké en Guinée? Qui? Si ce n'est pas le pouvoir. Seulement eux. Donc, leur grand frère, le grand frère de Foniké, celui-même qui l'a élevé, il dit que si vous l'avez tué, de lui dire pour qu'il puisse faire au moins leur sacrifice est prier pour le repos de leur âme. Je dirais 90% qui ne sont plus en vie. Voilà. Et là, c'est le grand frère. Hein. Il va dire n'importe quoi. Celui qui m'appelle là, qu'il arrête de m'appeler. Si tu ne veux pas que je te bloque, je vous ai toujours dit, ne m'appelez pas. Voilà.
Partagez, mettez le cœur. Mm-hmm. Et ça, c'est le grand frère qui parle. Hein. Et c'est pas n'importe qui, c'est Mamadou Sylla qui parle. Donc moi, déjà, j'annonce mon retour sur les réseaux, sur Facebook. Mamadi Doumbouya, tu vas partir. On va te montrer que la Guinée, là, c'est pour nous tous. Tu n'es pas plus qu'un Guinéen là-bas. Ça, je te dis, hein, je vais revenir, je suis même revenue. À partir d'aujourd'hui, là, je serai sur toi. Matin, midi, soir. Voilà, moi-même, à mon lieu de travail, je peux activer un live, parler. Voilà. Je vais tu vas pas, moi, même dans la voiture, si je vais, je peux faire 10 vidéos. Non, on n'est pas à Conakry, hein. C'est à Conakry, vous menacez. Dire que voilà, si on parle, vous allez faire ceci, cela. C'est à Conakry, vous menacez. Hein? Et ça, on vous le dit, hein, cherchez une porte de sortie. L'affaire, là, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et d'ailleurs, l'affaire du coup... Damaro, ils veulent continuer quoi? Toi, tu es malade, tu vas te présenter. Tu es venu nous dire ici, il n'y aura pas un membre, personne ne sera candidat parmi vous. Toi, tu ne vas pas être candidat. Et c'est toi qui veux aujourd'hui. Damaro, ils sont prêts à tout, je te dis. Financer des milliards aujourd'hui pour des personnes qui vont les soutenir. Ils veulent se présenter. Mamadi, est-ce qu'il y a langue? Moi, je ne suis pas Damaro. Hein. Quand moi, je vais venir. Vous avez provoqué, Fab. Vous avez. Vos insultologues, là, ils vont doser dans ces deux jours-là. Attends, on va jouer. Libre et transparente dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Dès que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voix de tout ce qui est organe législatif, et si vous avez un remède de 2 semaines pour régler le problème guinéen, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que... Tiens, et heureusement que la VAR est là. Fatou, il n'y a pas eu de manifestation. Partagez, mettez le cœur. Il n'y a pas eu de manifestation en Guinée. C'est lui-même qui a imposé la durée. Exactement. Donc, Mamadi, ou du premier, grand, vous qui dites que, il faut apprécier là. Awa, dites-lui, il a fait le coup d'État, il a tué des Guinéens le 5 septembre. Donc, dites la vérité. 50 personnes, il y a des vidéos. Quand moi je fais sortir ça, les personnes là vont avoir des problèmes. Non, ils savent qu'on a les vidéos, mais Facebook, compte tenu des critères de Facebook, si vous mettez seulement, parce qu'ils sont tous ensemble. Les personnes qui avaient filmé, parce que voilà, ils sont sortis, ils vont comprendre d'où vient la vidéo. Donc, tous les démagogues qui parlent, nous on n'a rien dit. On a dit 3e mandat, oui. C'est que lui-même, il a dit là, il doit respecter. C'est aussi simple que ça. Ou bien? C'est tout. Tu dis que ni toi, ni aucun membre. Et Mamadi ne peut même pas être le président de la Guinée. Parce que c'est un toto, c'est un toka, c'est un bodo. Il ne peut pas être notre président. 21e siècle, un tocard comme Mamadi Doumbouya ne peut pas être... Regardez Ibrahim Traoré. Quand il parle, est-ce qu'on va le comparer à Mamadi? Ils ont les mêmes manières de faire. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Et Mamadi... Si tu penses que tu es plus fort que les gens, tu as tapé poteau. C'est là, je te rappelle, je reviens là, pardon. Si c'est un illettré, Mamadi ne connaît rien, sauf que c'est un assassin, c'est un bandit, c'est un camp, c'est ça. Il est venu, Sadiba, général Sadiba, est parti. Ouais. Les Fonikés qui protestaient au temps d'Alpha Condé, là, eux au moins, on les a mis en prison.
mais ils étaient en contact avec leur famille, leur avocat, les gens savaient où ils étaient. Et là, c'est le sa maison était là-bas à Dixine. Mm-hmm. D'ailleurs, on empêchait El Asselou Dalé de sortir, de ne pas aller manifester. Mm-hmm. Mais casser la maison de Selou Dalé, rabaisser Selou Dalé, Sidi Atouré, chasser Sidi Atouré de sa maison. Mais lui, il est qui? Quand le titre foncier de la Guinée appartient à son papa, quand ça lui appartient? Il pense que c'est, en fait, la Guinée, c'est que Anala dote les quoi, Ibrahim. Parce que c'est ça qui appartient aux enfants. Et Mamadi, c'est pas ça. Mamadi, je dis, on va pas. Si vous Fatou est revenue encore. Elle est revenue encore. Préparez vos insultes longues là. Nous là, les injures là, ça glisse sur nous. Ça glisse. Si vous pensez que. Quelqu'un, c'est à Mamadi Doumbouya. La personne qui ne se pose pas les dents là, qui ne se lave pas là, le drogué sale. C'est moi qui ai dit à Fatou de se calmer, de laisser, je peux gérer. Hey, même comme maintenant là, comme maintenant vous voulez, alors j'ai ramené Fatou encore. Je suis revenu. Wallahi, je ne vais pas louper Mamadi. Mamadi, matin, midi, soir, je vais te mettre à ta place. Un farfelu. Si vos gars, c'est français. Même un enfant qui fait la troisième année parle bien français. Troisième année primaire parle bien français que Mamadi. Mamadi ne se brosse même pas les dents. Bon, regarde nos artistes. Comment des artistes peuvent devenir politiciens? Tellement que le CNRD n'a plus de soutien. Ils n'ont plus de soutien. Ils ne savent plus quoi faire. Allô? Ils sont venus, regarde. Hein, ils ont fermé. Vous les artistes, life, là. Étaient cachés ici. Ils ont fermé leurs médias. Je te rappelle dans 10 minutes. Dire à Mamadi, c'est pas bien. Hein? Qui a dit que non, la presse doit respirer en Guinée. Ils sont où aujourd'hui? Mamadi, c'est faux, tu ne peux pas. Tu as vu le grand Lamine Girassi. Pourtant, ils ont beaucoup parlé sur Alpha Condé. Ils sont où aujourd'hui? J'ai même pitié. Et regarde, je viens de voir la photo des soldats tout de suite là. Les journalistes. Fatou, j'allais même poster tout de suite là. J'ai dit, non mais Mamadi n'a pas honte. Il n'a pas pitié. Et regarde, tous ces grands journalistes-là, il les a mis au chômage. Et regarde. Hein? Tous ces grands journalistes, il les a mis au chômage. Il n'a même pas honte. Quand toi, tu es venu pour libérer, tu es venu libérer, tu as fermé les médias. Tu es venu libérer, tu as kidnappé les gens de FNDC. Tu es venu libérer, tu as chassé Selou Dalé. Tu es venu libérer, tu as chassé Sidi Atouré. Tu es venu libérer, même le M. Souma qui vient de parler tout récemment, là, celui qui vient de faire la vidéo là. Tu n'as pas vu la photo du monsieur? Attends, je vais profiter de pour montrer la photo du monsieur. Voilà. Abakar, lui, le monsieur là, il vient juste de parler, de dire des vérités. Ils ont enlevé le monsieur là encore, avant-hier. Où va la Guinée? Ça dit personne ne doit parler. Il vient, lui seul, Mamadi, il n'a pas été élu. Imagine toutes les communes de la Guinée, c'est lui qui choisit. Mais lui, il est qui? Un bandit qui n'a pas de niveau. L'Assemblée, le CNP, c'est lui. Nos communes, c'est lui. Tous les postes aujourd'hui préfèrent quoi? C'est lui. Mais Mamadi est qui? On va laisser un bandit continuer à détruire la Guinée, un vaurien, un toto, co-refondation. Où est votre refondation? Où est votre refondation? Vous avez dit que vous voulez le Dieu, non? Damaro, si c'est une autre personne qui était venue, qui n'a pas tenu tous les propos que Mamadi a tenus là, les gens pouvaient comprendre. Mais il est venu nous dire quoi? Que c'est à cause du troisième mandat qu'il a fait le coup. Maintenant, il veut s'éterniser au pouvoir. Et le bandit, Mamadi, il ne peut même pas arrêter, hein? Troisième mandat, le bandit se lève pour aller à Kigali. Paul Kagame qui a son cinquième mandat, le bandit va se promener là-bas. Oui. Le bandit va se promener en Turquie. Lui, est-ce que Mamadi est un modèle pour quelqu'un? Jamais. Toi, tu dis, ton bienfaiteur, celui qui t'a tout donné. Force spéciale. Hein? Moi-même, je regrette pourquoi j'ai pris la photo avec ce bandit-là. Hein? Moi, je pensais que lui, c'était quelqu'un de sincère. Déjà, c'est un bandit qui était à côté de moi. C'est un assassin. Mamadi, tu sais, je suis revenu. Moi, tu sais, ici, c'est le live de Damaro. Il y a tout le monde qui regarde ici. Mais moi, sur ma page, une seule page, Fatounielo, là où j'ai mis la photo avec Damaro comme profil, c'est ma seule et unique page. C'est là-bas que je fais mes lives. Je dis, Mamadi, je vais venir. Partagez, mettez le cœur. Celui qui m'appelle, c'est un imbécile. Voilà, partagez.
Tant que moi, celui qui fait semblant. Dans ton pantalon, parler de ce qui est en bas. Continue de m'appeler, hein, imbécile. Donc, continue. Je vais partir sur moi, mon live. Je vais faire ce que. Maman dit, tu vas dégager. On en a marre de toi. Mettez le cœur, mettez le cœur. Il y a quelqu'un, un imbécile qui me dérange là. Mais quand je finis tout de suite, je vais te bloquer pour de bon. Faut pas bloquer. Quand tu continues à parler, je vais montrer la photo du bandit là. De vous à moi, de vous à moi, qu'est-ce que Mamadi peut apporter? Hier, on avait le courant. Aujourd'hui, en Guinée, quand je parle avec des gens, je dis envoie-moi Power Bank. Tous ces gens-là sont morts. Il a tué tous ces gens-là le 5 septembre. Et ils veulent qu'on oublie ça. Pourquoi? Tous ces jeunes-là sont morts. Ouais, vive le retour. Je suis revenu. Moi, je fais juste la pause dans ma Et regarde, le petit. Hein? Ouais. Tous ces petits-là sont morts. Il a tué. Les cœurs, mettez les cœurs, partagez. Dès que tu es opposé à son pouvoir, il vient. Regarde des démagogues qui viennent soutenir Mamadi. Il a quoi? Il peut apporter quoi de vous à moi? Le sac de riz aujourd'hui est à combien? Hein? Il y a un cercle qui mange. Les autres n'ont rien. Aucun Guinéen vit. C'est que les gens vivent dans la peur. Personne n'est en sécurité en Guinée. Tu veux dénoncer, on te tue, on te met en prison. Mais c'est dommage ça. Et puis, on est, élevons-nous, le peuple de Guinée, laissons l'histoire de Peul Soussou Malenke forestier. Laissons-nous, donnons-nous les mains. La Guinée. Mettez le cœur, partagez. Regarde, tous les gens là sont morts par Mamadi. Pour nous de se lever. Voilà le jour où le peuple de Guinée va sortir, tout le monde, pas que l'axe seulement. Matote sort, Ratoma sort, Dixim sort, Kaloum sort. Voilà, Billahi, le jour là, Mamadi ne va pas dormir au pouvoir. Et il est temps pour nous de faire ça. Personne ne va venir nous aider. Hein. Les Blancs, là, le jour où il y aura un autre président, tu vas voir les Blancs aussi venir vers la personne. Tant qu'eux, ils ont leur intérêt, là, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est à nous, le peuple de Guinée, de se lever, de se battre, de dire à Mamadi, stop, on en a marre de toi. Tu es un criminel, tu es un bandit, tu es un assassin. Tu es tout sauf un démocrate. Yeah. Quand vous voyez quelqu'un qui ferme la presse, là, c'est que c'est un dictateur. Pourquoi avoir peur de la presse? Si tu es une bonne personne, tu n'as pas peur de la presse. Un vrai bandit. Tout le monde sait ici que Mamadi, c'était quelqu'un qui aimait les réseaux, c'était quelqu'un qui aimait la presse, parce que voilà, il veut qu'on parle bien de lui. Maintenant, pourquoi il ne veut plus voir les presses en Guinée? Parce qu'il sait ce qu'il fait n'est pas bon. Mamadi, tu vas dégager. Le bandit. Et ce jour-là, tu sais, il était allé pour quémander. Il partait de bureau en bureau pour quémander. Il était allé demander. Les gens pensaient que c'est photocollant. Ce n'est pas photocollant. Vous voyez bien, c'est Mamadi. C'est si vous voyez que nous, là. Ton ensemble, là, est joli. De ce qui a fait. C'est Fatou même qui m'avait offert ça. C'est l'ensemble de Fatou. C'est Fatou qui avait. Fatou est venu créer. C'est moi qui ai voilà. Offert ça. Tu vois. Donc, vous voyez, Mamadi. C'est pourquoi les démagogues là, ceux qui parlent là, nous là, on a connu Mamadi avant. Si on voulait profiter de Mamadi là, on pouvait profiter de Mamadi. Mais c'est parce que Mamadi c'est un menteur. Mamadi est un traître. Oudi Premier, tu parles de Côte d'Ivoire là. Il y a troisième mandat, mais les Ivoiriens n'ont pas fait de coup d'État. Et ils sont reconnaissants envers le président Ouattara. Toi, Oudi Premier, grand, tu as tout ici, autant d'Alpha Condé. On ne veut pas parler seulement. Voilà. Ce c'est Narama. Odegue Odundu, Odegue Odundu. Voilà. Mangez, taisez-vous. Vous ne pouvez rien dire. Mamadi ne peut même pas arriver aux chevilles du président Fakonde. Si ces matières de développement là, que vous voulez qu'on apprécie là, la Guinée est endettée, le président Fakonde est venu. PPTE, il a annulé. La Guinée n'avait pas de barrage. Trouvez des investisseurs pour venir investir en Guinée. Si vous venez nous parler du même bateau que le président Fakonde, un bateau qui coûtait à 3 à 4 millions, aujourd'hui est à plus de 7 à 8 millions. Le prix a doublé. Et les factures d'électricité aujourd'hui en Guinée, vous saviez, ça a doublé, ça a triplé. Grand, Odundu. Voilà, vous ne pouvez rien dire devant Alpha Condé. Des bandits comme ça, c'est comme le jour et la nuit. Tous les grands projets aujourd'hui, c'est Alpha Condé. La route nationale, Fatou. On était à Kankan, on est revenu sur quelle route? Ce n'est pas la même route là. Si eux, ils viennent dire que route nationale. Mamadi a fait quoi? Quoi la route d'Abola, Mamadi? Mamadi a fait quoi? Attendez, il y a un maudit. Attends, non. Moi, les bandits là, je les bloque ici. Alors. Non, et puis, il y a quelqu'un même qui dit ici que Doumbouya compte sur Dansa pour qu'il se présente. Et... Ah, c'est pas un.
Quand il a fait son coup d'État Alpha Condé, là, l'Assemblée n'est pas tombée. Quand je vois les gens, là, tout ce que j'ai à vous dire, maman dit, n'y a qu'un maquillé en fouenné. On quoi, bédi ban Londres. Et quand le manical, là, kouma, à bédi ban Londres. Maman dit, tout ça va finir bientôt. Dans ça, bédi ban Londres. C'est pour bientôt. Ça, là, c'est fini. Nous, on vous attend. Maman dit, tu t'es fixé toi-même une date. Tu as dit le 31 décembre 2024, c'est fini. Voilà. Vous allez... Il n'aura pas un jour de plus. Donc, c'est lui qui sait maintenant comment il va partir. Nous, ce qu'on dit, à partir du 31 décembre, désobéissance civile. Point barre. Point barre. À partir du 31 décembre, tout militaire qui peut lui taper, ils n'ont qu'à taper sur lui. On va avancer, c'est tout. Même comment vous allez venir endormir les gens? Ah non, Alpha Condé, troisième mandat. Et toi, le bandit, tu tues les gens. Que toi, tu vas t'imposer. Tu vas rester. Wallahi, Mamadi, à tes cafés. Hein? Ferme les presses. Tu kidnappes les gens. Ce n'est même pas la maison centrale, il envoie les gens. Hein. L'autre n'a pas pris les armes. Depuis très jeune, il se bat. Ouais. Depuis très jeune, lui, il n'a pas pris les armes. Si toi, tu viens le renverser, qu'on a un troisième mandat, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, Selou Dalé, tu pars casser la maison de Selou et tu le chasses même du pays, Sidi Touré. Toi, tu as fait le coup d'État pourquoi? Tu es qui? Quand la Guinée, le titre foncier appartient à ton papa. Je t'ai dit. Je t'ai dit là, ils ont dit que nos cadres qui sont en prison, que si ça tenait qu'à eux là, ils allaient mettre une balle à la tête de chacun d'entre eux. Tellement que les gens là ont la haine. Maman dit, oui. Les Sloumandino aujourd'hui là, qui sont devenus des caméléons, c'est lui qui est encerclé comme ça là. Voici Alpha Condé en lunettes là-bas. Aujourd'hui, c'est vous qui allez changer la donne. De la sorte, avec des vauriens comme ça, là. Vous n'avez même pas honte. Je vais te dire, Damaro, wallah, ceux qui soutiennent Doumbouya, là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont faim. Ils galèrent tout ça, là. C'est parce qu'ils estiment peut-être avoir des postes. Sinon, ils n'ont pas quelque chose. Ou du premier, tu vois, ça, c'est le Fama. Ça, c'est les vrais leaders. Mais Mamadi ne peut pas s'asseoir à côté du président Ouattara comme ça, là. Quand tu parles, l'interconnexion, là, c'est grâce à leur amitié, là. Le projet interconnexion, c'est grâce au président Alpha Condé. L'idée du président Alpha Condé, s'il se recrée aujourd'hui, a le courant aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur que tu vois là. Voilà, leur amitié. Et regarde, comme des amis, mais Mamadi peut s'asseoir à côté du président Ouattara pour parler ainsi, Oudi. C'est les hommes qui changent la donne. Mais des plaisantins comme ça, des bandits comme ça là, vous venez nous dire qu'on va soutenir des vauriens comme ça, qui n'ont pas de niveau. Parce que nous sommes des maudits. Tu sais ce qu'ils n'ont pas compris. Hey, faites attention. Mamadi, là, il s'en fout. Hein. Même si vous avez vu, Charles White, c'était le juge du peuple. Quand il a condamné Ousmane, tout le monde l'appréciait. Quand il est venu, il s'est fait comme un petit demi-dieu, là. Et puis, il a soutenu Mamadi. Tu as vu, tout le monde l'a détesté. Et Mamadi même. Moi, c'est pourquoi j'aime IFDG. Ils ont une force que j'adore. Quand tu es avec eux, là, même si tu fais quoi, ils vont te supporter. Dans tout ce que tu fais, ils seront avec toi. Mamadi, là, regarde. Il a lâché. Lui-même, il a lâché le boss de Ousmane Nguele, Charles White. C'est pourquoi j'ai dit à Ousmane Nguele, petit, il faut quitter la Guinée. Les gens là, je t'ai dit, tu vas rien avoir. Tu n'as pas de voiture. Autant d'Alpha Condé, tu faisais le petit patron. Les gens là vont t'exploiter. Tu n'es pas avec l'UFDG, tu n'es pas avec RPG. Les gens là ne t'aiment pas, Ousmane Nguele. Moi, je pensais qu'à l'air là, CNRD, ils allaient te donner une voiture. Toi aussi, tu vas faire ton boucan. Je t'ai dit, c'est des gens qui exploitent. Ils n'ont pas de considération. J'ai dit moi, tu sais, je t'ai dit, moi je l'ai dit, je vais le faire exiler, il va sortir et puis il va venir taper sur vous, hein. Ça je vous dis, je ne vous cache pas. J'ai dit aux petits, les gens là, c'est des traîtres, ils ne vont jamais t'aimer, ils vont t'utiliser. Je dis, regarde le cas de Charles White. Charles White, c'est le corps et âme. Maman dit, si c'est le président là, ce n'est pas Kagame, ça c'est le président chinois. Ouais. Ça c'est le président Alpha Condé avec le président chinois. Le président Alpha Condé avec Angela Merkel. Le président Alpha Condé avec celui de l'Union africaine, le président Alpha Condé avec Trump, Donald Trump, le président Alpha Condé n'est pas n'importe qui. Mamadi, le Fama avec Trump ici, tu penses que toi tu viens te promener ici, le premier ministre, l'ancien premier ministre britannique,
Mamadi, le président Alpha Condé avec Poutine, tu vois Sergei Lavrov derrière. Pourtant, c'est Sergei Lavrov qui est venu. Regarde le président Alpha Condé. Toi, un petit comme ça, regarde le président Alpha Condé, Poutine qui est en train de lui mettre une médaille. Ils sont même pas le président Alpha Condé avec l'autre là. J'ai oublié le nom de ce président là. Mitterrand, je crois. Le président Alpha Condé avec Macron. Le président Alpha Condé avec Sarkozy. Le président Alpha Condé avec le président de l'Inde. Le président Alpha Condé avec le roi du Maroc. Le président Alpha Condé, le roi du Maroc. Mamadi, tu ne peux pas t'égaler au président Alpha Condé. C'est les hommes. Ou toi, tu traînes derrière des petits ambassadeurs. Le Fama était un génie pour nous, la Guinée. Et vous, des bandits, des gangsters, vous venez détruire l'avenir de tout un pays. Hein? Alpha est une bénédiction pour la Guinée. C'était une bénédiction pour des la Guinée. Des bandits viennent mettre le... Et regarde le pays aujourd'hui. Combien de personnes à la retraite partout? Le sac de riz. Hein? Les gens... Il vient, il détruit tout. Ouais. Que nous... Nous, nous sommes des maudits, on va laisser le... Voilà, François Hollande. Merci, shérif. François Hollande. Celui dont j'avais montré. Mm-hmm. Tous les trois présidents français qui sont... Fama était un génie pour la Guinée. Et vous, des bandits comme ça, c'est à Kigali, vous partez. Qu'au troisième mandat, c'est Paul Kagame qui est votre modèle. Le Fama, Dieu lui a donné ce don-là. Damaro, Mamadi. Merci, Mamadi. Bouaka Diallo, j'ai compris, Hollande. Une chose, s'il s'hasarde ici à se présenter... Il va voir le peuple devant lui. Mamadi, merci, Ibrahim, le bourgeois, les réseaux comptent pour toi. Sur la tombe de mon père, je ne vais plus te dire, Mamadi. Je vais bloquer ton compte pour me dire, Fatou, arrête. Hey, Fatou, si il ne change pas, il faut popo sur eux. Il faut popo. Il faut popo sur eux. Bien sûr, bien même. Il faut popo. Avec les petites personnes. Bon, tu as trouvé un médicament pour Ousmane Gawal? Il a quoi, lui? Hein? Ousmane Gawal est malade. Tu sais, toi, tu n'es pas gentil. Tu ne m'as pas appris Fula. Fula, qu'est-ce qu'on dit Kaya en Fula? Testicule. Combo Kaya. Le testicule, il est enflé. Ah, c'est là-bas, tu ne m'as pas appris Fula. Moi, quand j'ai vu seulement, on dit Kaya, j'ai dit, hé, c'est quoi ça encore? Écoute, tu sais, moi, Damaro, je vais te dire. Moi, le combat que je vais mener sur les réseaux, je vais le mener contre Mamadi. On parle du mangue, c'est quand il y a le manguier. Quand le manguier est arrêté et que le manguier produit les mangues. Donc, quand le manguier n'existe pas, les mangues ne vont pas exister. Moi, j'aurai affaire bon. À Mbouchou. Dites à Ousmane Gawal, actuellement, j'ai mis mes produits en ligne. Hein. Ça, c'est des ceintures pour Ernie. Il y a pour 1 kilo, il y a pour 2 kilos, il y a pour 3 kilos. C'est pour 5 kilos d'abord que je n'ai pas encore reçu la commande. Mais j'ai reçu déjà les ceintures de... J'ai les ceintures de... Voilà, il y a les ceintures de toutes sortes. Il y a 3 kilos, il y a 4 kilos, mais 5 kilos, si pour lui c'est 5 kilos, il n'est qu'à me dire, je vais lancer la commande. Regardez comment si... Mamadi aussi a Hayare. Lui, il a Hayare dans son famille. Kaya. Donc, ça peut prendre 4 kilos. Vous voyez très bien. Ça peut prendre 4 kilos. Comme vous le voyez là, ça peut prendre 4 kilos. Ah. Demandez à Ousmane si pour lui, ça arrivait à 4 kilos. Moi, je lui donne, je suis en promo. Et je cherche quelqu'un qui va faire ma promo à l'heure là. Je donne à Ousmane cadeau, promo. Je lui donne cadeau. Il n'a pas besoin de payer. Dites à Ousmane que je suis en promo. Pour lui, c'est cadeau. Je lui donne cadeau. Voilà. Je donne aussi. Ça est là, de la bonne qualité. À Ernie, hein? Kaya. Damaro, je vais te laisser. Voilà. J'ai annoncé mon retour. Voilà. La famille. OK. Il n'y a pas de problème. Merci, Fatou. OK. Merci beaucoup. Yeah. Tu peux couper chez toi là-bas. Donc, la famille, nous, le combat continue. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'étais mal à l'aise, mais demain, on reprend le combat et pas de recul quand même. Le CNRD, si vous pensez que vous pouvez acheter des gens, nous sommes là, nous sommes déterminés, nous sommes à fond. Voilà.
Peut-être vous allez couper Internet en Guinée. Même si vous coupez Internet, on va trouver d'autres solutions. Merci, ma soeur Tata Diawara. Merci à Elage Rich Gang. Merci à Fatoumata Keïta. Salimatu Koumi Bari, merci à vous. Moustenge Kams, Sosé Lambesi officiel. Jabi Bill Gates, merci à vous. Moussa Fils Dine Touré, merci à vous. Chérif UFDG. Alpha Saïbou Diallo, vous êtes nombreux. Diallo Ibrahim Kassandji, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Voilà. Boubasila, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, on est ensemble. Pas de recul. Mamadi Sandal Wassolon Diallo, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Donc, c'était votre... Non, Bouba Sila, il ne faut pas répondre ce maudit de Karifa là. Il ne faut pas le répondre. Mamadi, c'est dans quoi il est aujourd'hui. Le bandit est dans un trou aujourd'hui. Lui-même, qui est militaire, qui dit qu'il est garçon. Le président Alpha Condé, qui était civil, avec les manifestations, le président Alpha Condé n'avait pas barricadé devant le palais, c'est Couturea ainsi. Donc lui, le bandit, il est conscient de ce qu'il attend. Mamadi, il sait qu'il est bandit. C'est pourquoi il a barricadé. Mais on n'a pas besoin d'aller le KI. Il suffit de mettre seulement 5 roquettes. L'affaire est finie. Il n'a qu'à demander les anciens militaires. Autant de feu général, là, ça n'a compté. Ce que les militaires ont fait de ce palais-là. Donc, si lui pense qu'il a mis des blindés, nous, ça nous arrange. Il suffit de mettre des roquettes et le rat va sortir. Ils vont attraper le rat. Mamadi est un rat aujourd'hui.